Si quelqu'un n'a pas la vraie information, elle est terrorisée, elle est inquiète, elle n'a pas de comportement, elle est peurée chaque fois, elle se dit, la maladie peut arriver, elle ne sait pas vraiment, elle va prendre quelles précautions pour se protéger contre cette maladie. Donc l'impact est grave. Nayo Ebola ni mubaya hata kuliko sida na kuliko magonjwa mengine kwa sababu ayo inaua haraka. Inaua haraka. Na Ebola mubaya yake ya pili ni kwa sababu omwe sida mtu anaweza kumkamata mwingine na unambeba kwa hospitali. Lakini magonjwa ya Ebola hawezi kumpeleka mtu kwa hospitali. Juu kimkamata na we direct unaambukiza nile magonjwa. Na ndio maana kumie na yo kama Ebola ni magonjwa mbaya sana. Mimi nilifika kule kwanza na sina connaissance hizi. Sii hata kama nilifika na mna gani. Niende jiretrouver niko kule, nikapata ufahamu. Nikaanza kutunzishwa tu bia mpaka hivi nilitoka na niko tu bia. Unaweza ukawaambia wapasha habari nini wenyewe wanaendelea kwa sababu wapiganishe hiyo ugonjwa? Oh, ya muhimu tu ifo tu kwenda hospitali. Niliona tu ni lazima jogo na mimi kama mimi nilikuwa na dute mimi na vivre. Nafaa tu kuenda, mtu akasikia tu unazitunzisha siku ya kutosha eneo, unafaa tu unaenda tu na kelele na nguvu kwa mwili. Na Mungu atakuzalia neema utasimama tu na kama mtu alikufa sike tu, ilikuwa tu date yake tu Mungu aliandika yake atakufa kwa mwili nzii. J'ai été contacté de ma femme qui est décédée. Donc moi j'ai senti le premier signe le 28. Je me suis présenté au CT. Alors moi t'es positif. Et tu peux, qui t'avait encouragé d'aller au CT? Bon, c'était moi-même. C'était moi-même, puisque je sentais que guéri de Ebola, il ne faut que l'intervention du CT. Oui. Oui. Ok, est-ce que ma famille m'a découragé déjà de ne pas y aller. Pour combattre la maladie à virus Ebola, on a besoin de l'adhésion de toute la population et ça nous appelons engagement communautaire. Alors si la population n'adhère pas, ça va être difficile de faire le traçage des contacts et de faire le travail de remonter les alertes pour que nos équipes soient en mesure de les investiguer et les traiter les cas échéants lorsqu'ils sont positifs. Énormément. Les médias ont un rôle important à jouer dans la lutte contre cette maladie à virus Ebola. Énormément. Ne serait-ce qu'en donnant la bonne information. Ne serait-ce qu'en invitant par exemple la population à observer des mesures d'hygiène. Ne serait-ce qu'en appelant la population à se faire vacciner. Et en cela, les médias ont justement un rôle à jouer dans la lutte contre la maladie à virus Ebola. L'accès à l'information exacte peut sauver des vies. Aider JDH à lutter contre la désinformation sur l'Ebola en République démocratique du Congo.